Salut à tous, c'est Jason, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous venez de constater là, j'ai fait une instrumentale Zouk de bonne qualité, je peux dire voilà. Ça faisait un peu longtemps que je n'ai pas posté des vidéos, pour ça je suis désolé, vraiment. J'avais beaucoup de choses à régler, c'est pour ça que je n'ai pas pu trouver le temps pour poster. Mais voilà, on se retrouve encore une fois. Circe, avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va commencer là directement. Là, je suis à 90 BPM, voilà, comme vous voyez là. Je fais seulement 17 patterns et pour cette prod qui est vraiment complète, voilà. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, pattern par pattern. Voilà. Si on partait du premier pattern là, là je fais le rythmique directement. Ah, c'est ça ce que j'ai utilisé. Premièrement, j'ai utilisé. Ça c'est un clap. J'ai utilisé un clap pour le premier temps. En deuxième. En fait, je vais vous faire écouter les tons ensemble. En fait, pour ce qui concerne cet instrumental, je le fais à en deux parties, je l'ai divisé en deux parties. La première partie, j'ai composé des rythmiques un peu doux comme ça. Et en deuxième, pour le refrain, j'ai fait la rythmique un peu rapide. En fait, ça vient un peu compresser, ça vient mettre de l'agréabilité à notre instrumental. Ça, c'est un peu doux pour le couplet. Et il y a l'autre rythmique que j'ai fait pour le refrain. Voilà. Vous avez écouté. Alors, en premier, là, j'ai un clap. Voilà, c'est ce qui donne le clap. Après, j'ai ajouté ceci. Ça, c'est une percussion. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait là, très basique. Après, j'ai ajouté, c'est une perc aussi. Voilà, c'est comme ça aussi. Par après, j'ai ajouté, ça c'est cowbell, voilà. Ça donne ceci. Voilà, c'est comme ça. Après, j'ai rajouté. J'ai rajouté 5 tomes.
Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Après, j'ai rajouté un conga au tambour. Voilà, c'est ce que les congas jouent. Après, j'ai ajouté un stick qui joue ceci. Voilà, vous constatez que le rythme est en train de venir. Après, j'ai rajouté. Ça, c'est snare, voilà, c'est une snare. Voilà. Après, j'ai rajouté. Ça, c'est rim snare. C'est un snare shot. Cymbal shot, vraiment. Pardon, c'est un cymbal shot. Voilà. Pour Zouk, ça donne ceci. Et voilà, c'est comme ça donne ça. Et après, j'ai ajouté une autre cymbale. Toujours de même classe. Voilà, ça donne ceci. Voilà, c'est comme ça. Après, j'ai ajouté en fait, c'est un autre cymbale qui joue ceci. Voilà, là on en a fini avec ces patterns. Voilà, si on partait du deuxième là, pour le deuxième pattern là, j'ai utilisé deux plugins. Voilà que j'ai utilisé Purity. Et dans Purity, j'ai utilisé Bell Pair, que j'ai utilisé Karimba là. En fait, pour que l'instrumental soit très bien, il faut un très beau mixage et des très belles mélodies. Voilà. Alors pour ça, ça juste ceci. Voilà, vous voyez là que j'ai joué avec la vélocité pour que ça n'amène pas de bruit. Par après, j'ai ajouté ça, c'est un son de Nexus. Voilà, Nexus, j'ai utilisé Black Dilla, j'ai utilisé 80S Ballade, voilà, 2. C'est ça, juste ceci. C'est la même chose, j'ai copié pour juste amener de l'agréabilité. Ça, juste ceci. Voilà, c'est ce que ça donne. Et alors, les tout ensemble, ça donne ceci. Voilà,
Par après, j'ai mis un kick. Ouais, là, c'est ça mon kick. Au fait, pour le zouk, c'est mieux d'avoir les drums qui étaient pour zouk parce que avec le zouk, vraiment, c'est un rythme qui choisit des kicks à mettre et pas mal. Et au fait, ça c'est propre. Je peux dire des drums qui t'a utilisé, peut-être vous pouvez utiliser, vous voyez que là il y a des cymbales qui sont vraiment pas faciles à trouver, il y a des kicks qui n'est pas n'importe quel kick et qui sont juste destinés pour zouk. Vous voyez ces kicks là, c'est juste pour zouk. Et si on écoutait, en fait je n'ai pas fait grand chose pour le kick, j'ai juste cliqué là, vous faites clic droit, vous mettez fill each four step, c'est ce que j'ai fait seulement, il n'y a pas grand chose. Alors, si on écoutait, ça donne ceci. Ben voilà, c'est ça. Après, j'ai utilisé Purity. Vous voyez, dans Purity, vous voyez, guitare plate, j'ai utilisé nylon guitare. C'est la toute dernière guitare là. Je l'ai utilisé pour faire cette mélodie. Salut, ceci. C'est chouette cette mélodie. En fait, pour ce qui concerne le mix, vraiment, je fais pas grand chose. Et voilà que j'ai ajouté les Q pour couper les basses fréquences. Il faut pas oublier de mettre ça s'il le faut. J'ai mis un peu de la reverb. J'ai mis Fruity Flangus. En fait, j'ai mis de la stéréo. C'est ce que j'ai fait comme mix très simple là. Et je fais que ça passe, et voilà que je fais que ça passe et que ça tape beaucoup à gauche qu'à droite. Voilà, si on écoutait. Vous constatez que ça tape à gauche, voilà. À partant du pattern suivant, là j'ai utilisé encore Purity. Et voilà, en Purity, j'ai utilisé Organ 3 là. On y écrit accordion, voilà, 3. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Et après, j'ai utilisé encore Nexus. Et dans Nexus, et voilà, piano, j'ai utilisé le premier piano là. Pour ce qui concerne le premier dans Purity, ça donne ceci. Voilà, en musique, j'ai dit les règles, c'est juste tout ce qui sonne bien aux oreilles. Il y a seulement des conseils, on peut conseiller seulement, mais il n'y a pas de règles à suivre. Parce que moi, en faisant ce genre de mélodie, j'ai fait juste, je ne fais que chanter. Je chante dans ma tête, je chante comment est-ce que je veux que ma mélodie chante. Après avoir chanté ça dans ma tête, au fait, je chante ça dans la tête avant d'écrire ça sur FL Studio. Je chante d'abord dans la tête la mélodie que je veux, puis je viens écrire ça, et ça me donne les résultats pareils. Voilà, je fais pas grand chose vraiment. J'ai pas même de piano pour faire ce genre de mélodie. Donc, j'ai pas de piano, je fais ça manuellement. Je dessine ça manuellement. Voilà. Et voilà, pour cette mélodie-là, vous voyez que j'ai dessiné ces notes-là. Ces notes-là, je les ai dessinées. Après, j'ai dupliqué les notes fondamentales à l'octave en dessous. Voilà. Je les ai dupliqués là. Ce qui donne ceci. Voilà, là déjà on est dans Nexus. Je vous ai dit qu'on a utilisé le premier piano là dans Nexus. Voilà, ça donne ceci.
Ben voilà, c'est ce que je fais là. Autre chose qu'il faut faire quand vous faites vos mélodies, il faut savoir comment gérer les sons, les volumes en fait. Comment gérer les volumes des mélodies, parce que si vous mettez trop de volume, ça ne va pas très bien sonner. Celui qui va écouter, il ne saura même pas terminer 30 secondes d'entrée d'écouter votre instrumental. C'est pour ça qu'il faut très bien gérer les volumes. Ou que, au fur et à mesure que celui qui sera en train d'écouter, qu'il écoute et qu'il se sente vraiment être en train d'écouter une prod. Voilà. Là, déjà, on va écouter les tout ensemble. Ça donne ceci. Ben voilà, c'est comme ça. J'en ai fini avec ce pattern-là. Sixième pattern, et là j'ai utilisé Purity encore. Vous voyez là dans Purity, guitare plaque, j'ai utilisé chrono électrique. Voilà, j'aime bien cette guitare là. Ça joue ceci, ça vient amener de la différence dans la prod. Vous allez constater par vous-même. J'aime bien cette guitare. Ça joue ceci. Constatez par vous-même comment cette guitare est vraiment fantastique. Voilà, après je l'ai mis sur le septième insert du mixeur. Vous voyez là que j'ai joué avec ces potards pour le faire taper à gauche, à droite, pardon, c'est à droite et là. Et puis j'ai ajouté l'EQ pour couper les basses fréquences de la stéréo et un peu du reverb. C'est tout, c'est ce que j'ai fait comme mixage là sur cette guitare. Et vous voyez là le volume, vous voyez que j'ai joué avec le volume sur toutes les mélodies. Vraiment partout, il n'y a pas ce qui joue en max. Parce que si vous en mettez trop, vous mettez là, juste là. Si vous mettez là, si vous les laissez toutes les mélodies là, ça va, quand vous allez faire le mastering là, ça va trop amener des bruits et ça ne va pas très bien sonner. Ça va déranger les oreilles en fait. C'est tout ce que je fais là. Pattern suivant, là j'ai utilisé. Là, j'ai utilisé. Pour ça, j'ai utilisé Expand. Et voilà, dans Expand, vous cliquez là. Guitare. Guitare là. Et là, j'ai utilisé la deuxième guitare là, Harpylon, qui joue ceci. Voilà, c'est ce que j'ai fait là sur cette mélodie. Pour ce qui concerne les mix, je l'ai mis sur le huitième insert du mixeur et j'ai voulu que ça tape un peu à gauche qu'à droite. En fait, c'est pas à dire que ça si je sens tape ou qu'à droite. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Et pour ce qui concerne les, j'ai mis l'EQ encore, j'ai mis la stéréo et le reverb. J'ai pas mis grand chose là. Voilà. Après, pattern suivant, j'ai utilisé Nexus à Purity encore. JM normal là, c'est là que je suis parti. Après, j'ai utilisé Echo Drops qui vient jouer ceci. Constater que les mélodies sont entrées, les appellent, l'autre accepte. C'est comme ça qu'il faut faire les mélodies quand vous faites vos mélodies vraiment. Après, neuvième pattern, et là, j'ai utilisé auxiliateur.
J'utilisais ce plugin de base d'Effet Studio. Vous cliquez là. Cliquez là. Vous le prenez, c'est ça là. Après, vous diminuez ces potards au minimum et celle-ci, vous me la mettez au max. Voilà. Là, vous aurez déjà une guitare basse parfaite. Voilà. Et là, pour ce pattern, je fais la ligne basse. Et si on s'écoutait, ça donne ceci. Voilà, c'est ce que je fais. Bah, c'est vrai, là, les notes qui sont aiguës là, je diminue un peu le volume pour que ça n'amène pas trop de bruit. Au fait, c'est ce que je vous dis toujours, qu'il faut gérer très bien le volume de vos mélodies pour que ça n'embête pas. Voilà que j'ai diminué un peu le volume des notes qui sont aiguës. Voilà, là, on en a fini. Pour le dixième pattern, et là, je fais. C'est le kick encore. Là, j'ai fait un autre kick qui est juste ici. Voilà, c'est ce que j'ai fait comme kick. Et là, vous allez écouter comment ça, à quelle place j'ai placé ça dans la prod. À 11e pattern, et là. Ah, voilà, c'est là que je fais alors le rythmique qui fait bouger un peu. Voilà. Et pour les autres, pour ça, pour certains drum kits là, je n'ai rien changé. J'ai juste ajouté quelque chose. Et ce que j'ai ajouté, c'est D là. J'ai ajouté ceci. J'ai ajouté cette rime. Et après, j'ai ajouté encore cette rim snare. En fait, c'est ce que j'ai ajouté là. Mais autre chose là, c'est la même chose que le premier là, que le premier pattern là des drum kits. Voilà. Et si on écoutait le premier là, ça donne ceci. C'est toujours la même chose. Seulement, je voulais un peu changer pour que ça tape plus vite. Et voilà, vous voyez là, j'ai mis une petite note à l'intermédiaire des deux autres là et je diminue un peu le volume. Voilà, c'est juste pour amener de la différence. Après, j'ai ajouté une rim snare. Ah, au fait, j'ai ajouté un stick, que je vais dire. Mais voilà, c'est ça. Et là, pour cette note-là, il y a encore un stick qui joue la même chose. Voilà. Si on partait sur le premier pattern, et là, ce qui amène la différence au fait pour ce drum kit-là par rapport aux autres qui viennent de passer, j'ai ajouté ceci-là. Ceci. Vous voyez que ceci joue comme ces deux là, comme la rim snare et comme le stick là. Ça joue presque la même chose. Mais si on partait de ce pattern, du premier pattern là, vous voyez que là, cette cymbale joue seulement. Vous voyez que seulement ça joue cette note et ensuite de suite. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que, il y a une petite différence. Et alors là, si je vous faisais écouter les tout, ça donne ceci.
Voilà, c'est ce que je fais là. C'est ce que je fais qui vient un peu amener le refrain. Au fait, c'est drum kit là qui joue sur le refrain. Et si on partait du 12e pattern là, j'ai utilisé Supercut. Voilà, c'est un plugin de 10 rôles. Vous cliquez là, guitare. Et là, j'ai utilisé guitare 006. Si vous avez les plugins, vous pouvez utiliser ça. J'ai utilisé 006 OV Steel Guitar 1 qui joue ceci, qui vient jouer la même chose que la précédente guitare. Seulement, je voulais un peu changer. Voilà, c'est ça, c'est la même mélodie. 13e pattern est là. Je fais les drums, j'ai fait le fills au fait. Ah, j'ai utilisé des toms. Ça, c'est le premier. Le deuxième. Le troisième tome. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et le tome 4. Au fait, si vous n'avez pas ces tomes-là, vous pouvez utiliser ces DFS Studio. Hein. Dans DFS Studio, il y a des tomes aussi. Attends, je vous montre où trouver ça. Dans DFS Studio, il y a aussi des tomes. Si on cherchait, vous venez là, Legacy. Attends, je ferme et tout pour vous montrer. Cliquez là sur Pack, Legacy, Drums. Vous cherchez là. Il y a des tomes là. Vous voyez qu'il y a des tomes. Si vous n'avez pas le tome que je mets là, que j'ai mis là, vous pouvez utiliser ces tomes là. C'est presque la même chose, seulement j'ai voulu utiliser ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour ces patterns. Et vous voyez que j'ai arrangé trop basiquement, mais ça juste ici. Ça tape à gauche et à droite, je joue sur les pannes. Voilà. 14e pattern. Là, j'ai utilisé Purity encore. Et dans Purity, vous voyez là, j'ai utilisé Lead Synth, j'ai utilisé Bass Lead Split. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ça vient finir la prod là. J'ai fait ça manuellement. J'ai chanté dans ma tête et j'écris. Au fait, je chante et j'écris les notes. C'est comme ça que ça fonctionne avec moi. 15e pattern, et là, j'ai fait encore la guitare basse et la ligne basse. Et ce que j'ai fait, c'est trop basique. Ça juste ici. Je l'ai mis sur le pré-refrain, voilà. Après, je fais 16e pattern et là, j'ai utilisé Arcade. C'est un plugin aussi. Attends, ça ouvre. Voilà, Arcade, là, j'ai utilisé ce plugin. Vous voyez là que j'ai utilisé Give and Take. C'est ce que j'ai utilisé. Je suis à le note que j'ai utilisé dans cette prod, j'ai utilisé F mineur, F dièse mineur, voilà. Et la mélodie, juste ici, c'est au fait son des voix. Ça, juste ici. Did you know?
Voilà, c'est ce que j'ai utilisé là. Et après, j'ai utilisé encore le même plugin. Encore des voix qui jouent ceci. Voilà, en fait, ce qu'il y a avec ce plugin, c'est que ça consomme beaucoup des processeurs. Le CPU, vraiment, ça consomme beaucoup. C'est pour ça, voilà, là, on a déjà fini la prod, c'est ce que j'ai fait. Alors là, j'ai déjà fait l'arrangement. Vous allez écouter la prod en général, en terminaison. Vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner encore et d'activer la cloche des notifications. Merci à vous qui venez de regarder la vidéo jusqu'ici, c'est Jason. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à m'encourager à me laisser un like. Lâchez-moi un like si vous avez aimé pour m'encourager, pour me soutenir de ce que je fais. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire dans la description. N'hésitez pas à écrire en commentaire tout ce que vous pensez. Tout ce que vous pensez sur la chaîne, tout ce que vous voulez, voilà. Voilà, c'était Jason. Laisse-moi vous dire à la prochaine. Ciao.